Eh bien, le bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois sur la chaîne des professionnels geeks. Alors, pour aujourd'hui, on va pas parler de logiciels ou de programmes, mais on va parler d'un site qui vous permettrait de vérifier la sécurité de votre mot de passe. Donc, le site en question, il s'appelle How Secure is My Password. Donc, le nom est similaire au lien du site que je mettrai d'ailleurs dans la description. Donc, c'est tout simple. C'est un site qui vous permet de mettre votre mot de passe et de voir le temps que ça va prendre à une personne ou un système de pouvoir le décrypter, tout simplement. Alors, donc, si on essaie, par exemple, d'écrire juste pour une personne qui met bonjour dans son mot de passe, donc vous voyez que ça va prendre une estimation de 5 secondes pour le craquer. Vous avez également le côté interface, plutôt l'arrière-plan du site, qui vous donne la couleur, si votre mot de passe également il est fiable ou pas. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous créez un mot de passe, par exemple dans Facebook ou Google ou n'importe quel site, du moment que vous écrivez, ça vous met est-ce que c'est faible, c'est moyen, c'est un mot de passe très fort. Donc c'est un petit peu la même chose. Donc par exemple là on a écrit bonjour, on va essayer de mettre quelques caractères. Donc là vous voyez que plus j'ajoute certains termes, le temps pour le craquer ça prend un peu plus de temps. Donc là c'est 4 jours. Donc je vais ajouter encore une fois. Donc, par exemple là voilà, ça va prendre 300 ans pour pouvoir le craquer. Et vous voyez que l'interface il est passé à l'orange. C'est-à-dire que c'est un mot de passe effectivement, certes, voilà, donc ça prendra beaucoup de temps pour le craquer, mais c'est un mot de passe qui reste moyen. Donc si on ajoute encore quelques caractères, donc vous voyez que c'est passé au vert. Et là, effectivement, ça prendra 85 billions d'années afin de pouvoir le décrypter. Comme on l'a dit, ça reste une estimation, bien sûr. Il y a effectivement des gens forts, mais au moins, ça reste un mot de passe sécurisé qui ne sera pas facile à craquer. Donc voilà tout, c'est tout simplement cela. C'est un site que je vous invite à tester. Ça vous permettra de mieux, on va dire, sécuriser vos mots de passe concernant vos accès, je ne sais pas, sur PayPal par exemple, ou sur des sites où vous avez bien sûr rattaché votre carte bleue. Donc voilà, donc c'est tout simplement cela. Surtout, n'hésitez pas également de mettre, on va dire, au niveau du commentaire, par rapport à votre mot de passe que vous allez tester, combien de temps ça va prendre pour le décrypter. Ce serait sympa en fait de savoir chaque personne le test qu'il a effectué, combien ça va lui prendre afin que son mot de passe soit craqué tout simplement. Et bien sûr, ça vous permettra de le modifier par la suite. Une dernière chose également. Un petit conseil, c'est surtout cela. Quand vous ferez bien sûr le test, n'hésitez surtout pas à inverser un petit peu deux ou trois caractères. Certes, ça reste un site sécurisé, mais on ne sait jamais s'il y a un keylogger derrière qui peut intercepter votre mot de passe actuel. Donc, autant changer quelques termes. Juste pour voir en fait ce que ça donne, parce que même si vous changez les termes, ça donnera un petit peu la même chose, donc au moins vous avez l'estimation. Entre parenthèses, un keylogger, c'est en fait la manière de pouvoir décrypter ou détecter tout ce que vous êtes en train d'écrire sur un site ou sur votre ordinateur quand il est en fait intégré sur l'ordinateur en question. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires et j'espère que ça vous a plu. Sur ce, passez une agréable journée.